Silayo, qui est habitué à étudier avec nous chaque fois que nous avons études bibliques. Avant que nous prions pour nous commencer avec études bibliques là, moi t'as voulu prendre ça pour nous et présenter plusieurs ouvrages que nous écrit qui est capable d'aider dans comprendre la Bible, dans étudier la parole de Dieu. En pile, nous habitués avec ouvrage ça, c'est le premier ouvrage que nous t'ai fait sortir, qui c'est La vérité qui libère, et livre 1. La vérité qui libère, c'est le premier ouvrage que nous t'ai fait sortir, et ouvrage ça, c'est un ouvrage de sermon et d'études bibliques. Si toutefois, ou pour qu'on gagne un lit, bah pourquoi je pour gagner un lit, et là, très utile pour vous-même, et en pile pasteur, en pile ouvrier, l'église qui gagne déjà. On peut servir avec lui pour la prédication, l'étude de la parole de Dieu dans différents secteurs dans l'Église là depuis pour avec éducation chrétienne. C'est un ouvrage musclé de plus de 440 pages. Et puis après ça, il était gagné un livre 2 qui sorti, La vérité qui libère, volume 2, lié aussi volumineux que ça que nous t'ai fait sortir avant, mais j'espère que on va chercher gagner tout. Il y a environ 500 pages, son ouvrage d'études bibliques et de prédication. Et puis après ça, gagner dans nous qui gagne leadership chrétien pour le monde d'aujourd'hui, qui sont un ouvrage pour tout leader d'église qui aide à comprendre. Comment pour diriger selon mon Dieu. Premier leader, c'est mon Dieu. Et c'est livre ça, et lit à la fois en français et lit également en anglais. Christian Leadership for Today's World. Il y en a nous qui pas au courant de lui, il y en a nous qui, majorité de nous au courant de livre ça, et qui montrait leadership à la lumière de la Bible. Parce qu'avant, l'homme te comprenne leadership, c'est mon Dieu. Avant, qui était by modèle. Leadership là. Ainsi, livre ça est important pour l'Église et est important pour tout ouvrier chrétien qui est dans le monde des affaires également. Et nous également, t'es écrit un ouvrage, c'est sur le Saint-Esprit. C'est moi avec un frère, moi, Dr. Joël Désiré, qui conjugué fort nous pour nous présenter ouvrage ça, qui c'est le Saint-Esprit qui libère. C'est un ouvrage qui présentait la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un ouvrage de 400 pages. Et on connaît l'Église. L'Église a été fondée avec le Saint-Esprit. Et l'Église a besoin de comprendre cette troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. En pile, l'Église est tombée dans la fausse doctrine à cause d'une incompréhension de la troisième personne de la Trinité. Et l'important pour tout pasteur et ouvrier chrétien. Comprennent le Saint-Esprit. Vous voyez ça plus spécialement, et moi, j'étais coudre, et je suis capable de dire coudre, après un pile recherche pendant ces 30 dernières années, 30 dernières années, et depuis que j'ai commencé dans le ministère, et moi, j'étais ordonné le 12 mars 1988, même j'ai commencé le ministère depuis avant ça, et depuis l'année 1981. Et depuis le ça, j'ai commencé à faire des recherches sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et ouvrage ça a sorti et 30 ans après. C'est un ouvrage important pour les ouvriers chrétiens, pour les pasteurs et pour toutes celles qui ont besoin d'approfondir connaissance sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère. Et qui t'aime présenter nos ouvrages ça, qui s'est grandi dans la grâce. Grandir dans la grâce, c'est un ouvrage d'études bibliques. Au cas servir avec l'éducation chrétienne école du dimanche, au cas servir avec lui pour la prédication. Et lui très intéressant. Et lui couvrir deux livres dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau Testament. Et il y a plusieurs topics également qui couvrent plusieurs sujets dans la Bible. C'est grandir dans la grâce. Lui écrit dans la langue ça, lui écrit non seulement lui en français, il est à la fois en anglais. Et en créole, même en espagnol, grandit dans la grâce. Ainsi, encouragez vous pour gagner. Et puis, il y a un livre que moi,
écrire après le voyage en Israël. Moi, j'étais quelqu'un temps t'a fait des recherches sur Israël. Et puis après le dernier voyage en Israël, moi, aller sur le site, moi, faire des recherches en profondeur. Et puis, moi, sortir le livre L'avenir d'Israël. C'est un livre qui n'est pas volumineux, mais avec environ une centaine de pages. Nous tracer l'histoire d'Israël, mettez devant tout le monde aspect théologique et prophétique qui vient pour avec Israël. Et l'on les livre ça, l'avenir d'Israël, ou comprendre Israël de A à Z. Et nous pas faire le volumineux, son façon pour attirer lecteurs. Et l'écrire en français et en langage qui est très, très facile. Et c'est aussi satanologie, l'étude de Satan et des démons très important. Et l'on pas comprendre Satan ou pas comprendre les démons, et bien pile monde qui vend nous des choses qui contraires à la théologie chrétienne. Et ce livre, ça a l'air les découvrir notre ennemi, c'est un manuel de préparation pour la guerre spirituelle. Moi, prêcher deux, trois chapitres sous lit déjà. Et c'est un livre m'a recommandé, surtout dans le temps ça à côté que grand pile déception par rapport à ça que nous sommes capés enseigner par un pile leader, soi-disant chrétien, et puis grand pile séduction dernier temps, yo, et par rapport à faux prophètes. Et c'est livre ça l'important pour comprendre stratégie ennemi, hein, l'origine de Satan, la chute et de Satan, et la condamnation de Satan, et tout ça, on va joindre dans le livre, la stratégie chrétien a besoin et comprendre, d'après Ephésiens 6, une façon pour détecter les ruses du diable, découvrir notre ennemi. Et gagner un manuel sur la famille, mariage, divorce et remariage. Que dit la Bible? C'est un sujet qui est controversé en pile. Et Manuel ça l'aider en pile comprendre sa Bible a dit sur ce sujet ça. C'est pas sa monde dit, sa pasteur dit, c'est pas sa tradition dit, mais c'est sa Bible a dit. Moi j'ai un frère, moi c'est docteur Joël Désiré, c'est un compagnon de combat, nous fait ministère ensemble. Et c'est nous deux qui pasteur dans la famille. Et lui écrit ouvrage ça, il était aidé, il était accompagné dans écrit le Saint-Esprit qui libère, mais ouvrage ça, il écrit pour contre lui, l'espérance qui transforme. L'espérance qui transforme, c'est un manuel de formation spirituelle, son ouvrage de prédication et d'éducation chrétienne. Et qui aime dans tout ouvrage ça, on est capable de joindre sur Amazon. Quel que soit côté dans le monde, on y tape petit ouvrage là avec auteur, non auteur là, on va venir sur Amazon. Moi, je recommande au livre ouvrage ça à Dr. Joël Désiré qui là donne plusieurs études bibliques et sermons sur formation spirituelle. Et qui témoin encourage également, surtout par les temps qui courent, chercher comprendre le livre de l'Apocalypse. Et le livre, ça m'a été écrit. Et alors, il était sorti année ça, après des années de recherche, Le monde de l'Apocalypse. C'est un livre, côté que nous étudions dans un langage qui est simple, hein? Le livre de l'Apocalypse, sorti dans le premier chapitre, arrivé dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, pas un livre qui est obligé, compliqué pour comprendre. D'ailleurs, si Bible, alors si l'on lire, alors comment c'est le livre Apocalypse? Il dit heureux tout le monde qui lit le livre ça, c'est que bon Dieu t'a voulu que nous lisions et nous comprenions. Et c'est le monde de l'Apocalypse, et moi écrit après des années de recherche, après consultation de plusieurs ouvrages sur l'Apocalypse, moi écrit le langage qui est simple pour capable comprendre tout le livre Apocalypse là qui est pour avec ça qui est pour arriver dans les derniers temps. Et qui t'aime présenter au livre ça? Ils sont manuels de relations d'aide. Il y a le conseiller chrétien. Le conseiller chrétien. Son livre qui expliquait comment théologie joint avec psychologie pour permettre que ouvriers chrétiens et pasteurs soient capables de conseiller chrétiens. Dans faire des disciples, discipleship, tant qu'on est en anglais,
ou capable de retrouver dans la situation côté que ou appelé conseiller moun. Et livre ça, il parlait concernant la nécessité d'un conseil chrétien biblique, théologie et psychologie, la Bible et la psychologie. Il parlait concernant psychothérapie intégrative, soins de l'âme et soins médicaux. Il parlait concernant counseling et conflit conjugal, conseil marital biblique, conseil chrétien et divorce, conseil chrétien et suicide. Et il y a plusieurs sujets dans le livre ça. Il parle concernant conseil chrétien et avortement et problèmes mentaux. Il parle concernant crise et traumatisme, maladie mortelle, conseil chrétien chagrin, conseil chrétien et euthanasie, conseil chrétien souffrance. Il aborde des questions qui ont pour avec anxiété, questions qui ont pour avec problèmes timoniaux. On équipe besoin que nous avons fait face à eux-mêmes que pasteur doit équiper pour conseiller chrétien. Mais toutefois, à un niveau qu'on arrive, il faut référer maintenant à professionnel. Mais il faut que ça commence par nous-mêmes. Et puis là, nous arrivons au point pour nous référer là à un professionnel, nous référer là à un professionnel. Des fois, à un professionnel clinicien. Ainsi, le conseiller chrétien. Et moi-même, finalement, produit ouvrage ça. C'est un ouvrage qui parle concernant l'histoire du protestantisme en Haïti et comment l'Église doit gérer fidèles, comment l'Église doit venir avec une éducation chrétienne taillée sur mesure pour que nous soyons capables de créer, implémenter une nouvelle Église pour une nouvelle Haïti. C'est un livre qui l'ouvrit. Qui l'ouvrit cœur nous vers sa bon Dieu v'lait pour pays nous, un pays qui doit connaître un réveil spirituel pour que nous capable gagner une nouvelle église pour une nouvelle Haïti. Et puis finalement, m'a encouragé et pasteur yo et planteur d'église yo pour yo gagner ouvrir ça, c'est liturgie pour aujourd'hui. C'est un ouvrage liturgique qui pour aider pasteurio et dans plusieurs cérémonies que il a pu faire dans l'église, mariage, et funérailles, et présentation des enfants, et baptême, ordination, etc., etc., etc. Liturgie pour aujourd'hui, son manuel liturgique pour les cérémonies spéciales de l'église chrétienne. Maintenant, ouvrage sérieux, c'est pas des ouvrages qui écrit en un seul jour. C'est des ouvrages qui produits pendant ces 30 dernières années. Pendant ces 30 dernières années. Et mes kounia à disposition. Parce que l'objectif, nous, c'est permettre que la communauté chrétienne, non, capable de bien éduquer chrétiennement et bien équipée pour que le travail bon Dieu soit capable de gagner des ouvriers. Qui mature et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul était en prison à Rome et puis il te dit Timothée pour le passer où elle. Il y a une bagaille que Paul te dit Timothée, l'a passé où elle, pas oublier, passer prendre livre moins yo pour moi, porter yo et puis grand manteau que me gagne, marcher avec elle pour moi. Même dans la prison, l'apôtre Paul t'a assuré que il continuait l'éducation et c'est dans ce sens ça m'a encouragé tout pasteur. Tout planteur d'église, tout ouvrier d'église, pour yo rester, pour yo consacrer yo à la lecture. Tant que Paul dit Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et je crois que moment ça va aider ou, il y a un monde qui est capable de poser des questions, qui côté est capable de joindre tout ouvrage ça, que moi écrire, mais on capable de checker sur Amazon. Et taper cet ouvrage-là, et taper et nos auteurs-là. Et puis, si c'est